Ik ga ineens met de deur in huis vallen, dames en heren. Ik kan stoppen. Verdachte opgepakt voor moord op man van 37 uit Ekeren. Foodblogger lokt tienduizenden bezoekers met culinaire verrassingen. En Annelisse houdt halt in Parkspoor Noord met ATV-vertellingen. Goedemiddag. In het postkantoor aan het Stapelplein in Gent hebben de werknemers... Dank u wel. Oh, die mensen passeren. Achteruit. Nog altijd steden en gemeenten die niet werken met Be Alert. Naast hem klopt Froome en wint 82e NATO-criterium van Aalst. En fanfareorkest uit Massemen is tweede beste ter wereld. Een hele goede avond. De Roemeen die verdacht wordt van de moord op Sophie Muilen op het strand van Knokke-Heist blijft nog zeker een maand in de cel. Hij legt verklaringen af als de speurders terug zijn uit vakantie. Morgen is het precies 20 jaar geleden dat een stuntpiloot crashte tijdens een vliegshow in Oostende. 10 mensen lieten het leven. We blikken terug op dit drama met nabestaanden en getuigen. Club Brugge staat voor een belangrijke Europese match tegen de Turkse topploeg Başakşehir. Een onbekende, maar gevaarlijke tegenstander uit Istanbul. En in Oostende wordt druk gerepeteerd voor Theater aan Zee. Vanaf morgenavond zijn in de kuststad maar liefst 200 verschillende voorstellingen te zien op 50 vaak unieke locaties. Goedenavond. Doodrijder Merel vrijgelaten om medische redenen. Crowdfunding voor dure behandeling zieke jongen uit Humbeek. En Hallenaar Isaki Meli baalt na missen WK Atletiek. Goedenavond, welkom Mohamed. Vlaams minister van Innovatie Philip Muiters bezoekt nieuwe auto Solar Team KU Leuven. 8 nieuwe gezichten op jaarlijkse ploegfoto OHL. En 13 kinderen leren op originele manier omgaan met honden op kamp in Langdorp. Goedenavond en welkom. Een heel goede avond en fijn dat u erbij bent op deze woensdag 26 juli. MR en CDH moeten vooralsnog niet rekenen op DeFi om ook in Brussel een nieuwe regering te vormen. Zowat 100 kansarme gezinnen in Anderlecht kunnen niet langer rekenen op de gratis voedselpakketten van een plaatselijke VZW. Dus is hier verkocht. En wij hebben voor het moment geen andere locatie, dus vandaag is het onze laatste middag. En op de vijver van het Terkamerenbos drijven elke dag wel een paar dode eenden. Dag, dames en heren. De federale regering heeft haar begroting klaar. Ik denk wel dat dat voor Peer eigenlijk toch wel een aantrekkingskracht is, eigenlijk, hè? Ook naar toerisme toe en zo, denk ik wel. Ja.
burgemeester van Venetië wil 6 jongeren uit Meeuwig-Ruitrode in de cel nadat ze van een brug sprongen. Het weer bemoeilijkt de uitbreidingswerken van Snow Valley in Peer. De indoor skipiste wordt de grootste en de steilste van de Benelux. In Riemst blijft de brandweer zoeken naar een manier om het vuur in de grotten te doven. En zowel Genk als STVV stelden vandaag een nieuwe aanwinst voor. Dag kijkers. Le nouveau gouvernement wallon a été présenté ce matin à Namur. 7 ministres au lieu de 8, 4 MR et 3 CDH. On peut compter 2 personnalités de la région liégeoise, le MR Pierre-Yves Jollet et l'humaniste Alda Gréoli. Certains riverains de l'hôpital de la Citadelle s'inquiètent. Le projet d'agrandissement du parking en façade leur semble trop imposant. Le cimetière de Grivigny est envahi par la végétation. C'est le résultat d'un nouveau système d'entretien plus écologique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le nouveau gouvernement wallon. Bonsoir, mercredi 26 juillet, bienvenue dans votre journal. 2 nouveaux ministres verviétois montent dans le gouvernement wallon New Look à Namur. Pierre-Yves Jollet et Alda Gréoli pourraient déjà prêter serment fin de cette semaine. Quels seront les impacts des mesures que prendra la nouvelle équipe emmenée par le ministre-président Willy Boursu? Dans ce journal, l'analyse du politologue Pierre Veriens. L'accord de gouvernement réjouit en tout cas la communauté germanophone qui relance le débat sur le transfert de nouvelles compétences. Dans cette actualité politique pour le moins chargée, nous aurons bien besoin d'évasion. Une roulotte tzigane en plein cœur du pays de Herve vous invitera au dépaysement absolu. Le nouveau gouvernement wallon est donc sur les rails. Il compte désormais 7 ministres. Une disparition inquiétante, la petite Malika, 9 ans, a quitté hier la maison d'accueil Prince Albert à Woluwe-Saint-Pierre. Elle n'a plus donné signe de vie depuis. On fait le point dans un instant en direct avec David Courrier. On connaît enfin le casting du nouveau gouvernement MR-CDH en Wallonie. Une idylle que les deux parties aimeraient aussi concrétiser à Bruxelles, à condition de convaincre des filles. Politique toujours, au fédéral, le gouvernement présentait son budget 2018 avec en ligne de mire la fiscalité. Une baisse d'impôts est prévue pour les PME. De l'époque des pharaons d'Égypte au Moyen-Âge, on vous propose un voyage en réalité virtuelle dans ce journal. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, cette disparition inquiétante. Willy Boursu, nouveau président du gouvernement wallon. Le casting a été dévoilé en fin de matinée. Le point dans un instant. Qui est Willy Boursu, bourgmestre de Somleuse pendant 20 ans, en partance vers le Luxembourg? Retour sur le parcours de l'homme politique. Focus enfin sur l'une des mesures du nouveau gouvernement MR-CDH, la déductibilité des frais de cote. Le nouveau casting du gouvernement wallon est connu, il a été présenté. Le MR et le CDH ont dévoilé le nouveau gouvernement wallon ce matin. Pas de Carolo au casting. A noter que Denis Ducarme, le député fédéral de Momigny, devient ministre des classes moyennes et rejoint ainsi le gouvernement Michel. Paul Magnette devra donc céder sa place de ministre-président de la Wallonie au MR Willy Boursu.
Paul Magnette souhaite à présent se consacrer à Charleroi en redevenant bourgmestre à temps plein. Aujourd'hui se déroulait la cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie. Les coureurs ont terminé la course en grimpant le mur de Thuin. Une de nos équipes s'est rendue sur place, les détails dans quelques instants. Demain, les nuages seront présents durant toute la journée, les éclaircies peu présentes. Les températures seront comprises entre 17 et 20 degrés. Bonsoir à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'été. Voyons ensemble ce qui a fait l'actualité de ce mercredi 26 juillet. On connaît depuis ce matin l'équipe qui formera le nouveau gouvernement wallon. Sept ministres reprennent